Big Shop, ça va plus vite. Braid, parce qu'en fait ça tient plus longtemps sur mes cheveux. Les twists, ça... En fait, les twists, elles se défont au niveau des pointes. Sincèrement, les deux, en fait. Je pense que les deux, c'est un combo vraiment parfait. Mais j'utilise plus des huiles parce que je pense qu'il existe beaucoup plus d'huile que de beurre. Du coup, on a plus de choix. Lissage. Je ne me suis jamais lissé les cheveux, mais je pense que je préférerais le lissage. Parce qu'en fait, les coiffures au fil, les fils ont tendance à s'emmêler sur les cheveux. Et du coup, c'est assez stressant pour moi. Les deux, en fait. En fait, je fais des soins 100% naturels chez moi. Par exemple, mes prépoux, mes soins aux poudres, etc. Mais je suis aussi des soins commercialisés, en fait. Parce que je pense que de moi-même, je ne pourrais jamais fabriquer un soin aussi efficace, par exemple, qu'un soin commercialisé. Parce que je n'ai pas fait des études, en fait, là-dessus. Et je ne sais pas encore comment vraiment mélanger tous les actifs, etc. Pour avoir un résultat vraiment, vraiment efficace. Pour moi, c'est le démêlage de doigts. Ça fait 2 ans que je démêle mes cheveux qu'au doigt. J'utilise pas de peigne, j'utilise plutôt une brosse. Parfois, en fait, j'avais acheté une brosse et sincèrement, je me suis rendu compte qu'on perd beaucoup plus de cheveux quand on démêle les cheveux avec une brosse ou un peigne que quand on démêle les cheveux seulement au doigt. Moi, j'utilise leave-in plus crème, mais si je devrais choisir un, je pense que je choisirais la crème vu que, je sais pas, je trouve que la crème, elle est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus hydratante dans la plupart du temps. Et en plus, ça définit les boucles et voilà, ça maintient l'hydratation sur les cheveux. Voilà, ça c'est dur à choisir entre longueur et volume. Je pense que vous voyez là, j'ai à peu près les deux. J'aime les deux en fait, j'aime les deux, c'est impossible à choisir, j'aime les deux en même temps. C'est dur à choisir entre le gel de nain et le gel d'aloe. Je pense que si je devrais choisir un, je choisirais le gel d'aloe vera parce qu'il est beaucoup plus hydratant que le gel de nain. Et aussi en plus de définir les boucles, il apporte vraiment de l'hydratation. Le gel de lin, ça apporte aussi l'hydratation, mais pas autant que le gel d'aloe vera. Moi, je préfère le bonnet parce que je trouve qu'on a plus de chance en fait de le garder en tête. Alors que avec l'oreiller, on sait pas en fait, ça glisse. Enfin, je me sens pas très confortable. Ça serait plus Instagram parce que sur Instagram, on peut partager des vidéos et des photos. Alors que sur YouTube, c'est que pour les vidéos, etc. Même si voilà, je suis active dans les deux plateformes. Mais voilà, je pense que je préfère Instagram. Alors ça, c'est sûr que mes cheveux adorent l'été. Mes cheveux préfèrent les climats chauds, les climats tempérés. Ils aiment moins les climats humides et froids en fait. Ça crée des frisottis. Enfin, j'ai beaucoup plus de frisottis pendant l'hiver. Voilà, non. Moi, c'est carrément été.